L'émotion va atteindre son paroxysme sur TF1 ce samedi 13 novembre. Après 3 semaines à célébrer les 20 ans de la Star Academy. La saison 3 va être à l'honneur ce soir. Avant de terminer en apothéose avec des moments forts de la saison 4. Une édition inoubliable, puisqu'elle a été celle de la découverte de Grégory Lemarchal. 14 ans après la mort du chanteur à la voix d'ange à la suite de la mucoviscidose. Personne ne l'a oublié. Ni son ex Karine Ferry qui lui rend régulièrement hommage, ni les anciens profs de la Starac. À commencer par Armand Altaï, qui évoquait récemment sa toute première rencontre avec Grégory Lemarchal auprès de Combini. Juste après la première Starac, j'ai été invité par une chanteuse qui avait une classe de chant à Chambéry. J'ai rencontré Grégory comme ça. Et quand je l'ai entendu, j'étais très émue. Se souvenait la coach de Nolwenn Leroy. Une émotion que partage également Alexia Laroche-Joubert. Grégory, il n'aurait jamais dû être là. C'est ce qui est incroyable et c'est ce qui m'émeut. Affirmait l'ancienne directrice du château de Damary-les-Lys dans Touche pas à mon poste. Depuis la mort de Grégory Lemarchal, sa famille s'évertue à mener des actions contre la mucoviscidose par le biais de l'association Grégory Lemarchal. À quelques heures du 3e et dernier prime des 20 ans de la Star Academy. Ses parents Pierre et Laurence ont partagé un message sur la page de l'association. Nous le savons maintenant, voir Grégory chanter toutes les semaines à la télévision en prime time. Et tout donner pour réussir, a montré à bon nombre de jeunes atteints de mucoviscidose qu'ils pouvaient puiser en eux la force de refuser la fatalité et trouver leur voie. Son message était clair, ne baissez pas les bras. Il est plus que jamais d'actualité. Nous sommes là pour vous écouter et vous aider, ont écrit les parents endeuillés. Accompagnés de Leslie, la sœur de Grégory. Passionné de musique comme son fils, Pierre Lemarchal a plusieurs concerts de prévus dans des petites villes jusqu'au 11 décembre. Une tournée baptisée Melodissimo, dans laquelle Pierre Lemarchal interprète les plus grands tubes de la chanson française. Ce samedi 13 novembre, il se produit à Saint-Vaury en Nouvelle-Aquitaine. Des concerts dont les fonds sont reversés à l'association Grégory Lemarchal.